Expo Béton RDC, la deuxième édition d'Expo Béton, le salon de la construction, a eu lieu au cercle sportif Charles Club à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du jeudi 7 au dimanche 10 septembre 2017. Il avait comme thème planification et aménagement des zones résidentielles et industrielles des agglomérations urbaines RD congolaises. Défis, enjeux et perspectives. Cette deuxième édition, comme la première, a rassemblé beaucoup d'acteurs économiques tant nationaux qu'internationaux du secteur de la construction. Pendant cet événement, plusieurs activités ont été organisées, notamment des expositions, des ventes promotionnelles dans les stands et des conférences. La présence de la société Le Chantier, spécialiste en électricité et énergie solaire, a été très remarquée. La société Le Chantier avait deux stands. Le premier se trouvait à l'entrée de l'aire d'exposition. Le deuxième, au dernier pavillon du grand salon. L'ouverture de ces grands événements a été remarquée par la présence, aux côtés du président d'Expo Béton, M. Jean Bamanissa, de M. le ministre des infrastructures, travaux publics et construction, Thomas Louaka. M. le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai. Madame la ministre de Jard, Enfants et Famille, Chantal Safo. Tous ces officiels ont bien apprécié le travail qu'effectue la société Le Chantier dans ses secteurs de l'électricité et de l'énergie solaire. Le samedi 9 septembre 2017, le comité d'Expo Béton 2017 a organisé un concours pour les étudiants qui ont participé à la conférence du jour. La société Le Chantier a remis des prix aux lauréats de ce concours. Il y a l'entreprise Le Chantier qui a un cadeau pour les candidats ingénieurs en construction. Il y a une combinaison pour la construction et la part des chantiers, la société des chantiers. Combinaison de travail et carte de fidélité client. Suivons le commentaire de quelques-uns d'entre eux. Je suis Eli Balos Ntsendula, ingénieur technicien en bâtiment et travaux publics et candidat ingénieur étudiant en hydraulique et environnement. Nous remercions les organisateurs de la dite journée et des activités. Activités qui ont vu en ce qu'il y ait un concours, concours dont nous avons remporté le titre. Et nous remercions Le Chantier pour le prix qu'il nous a donné, il nous a honoré parce que nous avons remporté les titres. Pour cela, nous félicitons aussi les organisateurs. Un grand merci, un très grand merci à la maison Le Chantier pour ses prix. Je vous dis et je vous remercie. Je suis le candidat ingénieur, j'ai été lauréat. On vient de finir, on a fini très bien. Je voulais juste remercier Le Chantier pour les cadeaux qu'ils nous ont donnés. Et je voulais aussi solliciter aux jeunes de prendre aussi l'initiative, d'essayer aussi, de tenter leur chance. Il y a des bonnes choses ici. Je dis merci encore à notre maison Le Chantier. Le Chantier a bien exposé ses produits et il a fait la vente promotionnelle avec une réduction des prix. Les visiteurs d'Expo Béton 2017 étaient très satisfaits des services de Le Chantier. Ils ont en effet marqué un intérêt particulier à la nouvelle technologie de l'énergie solaire que la société Le Chantier met à la disposition de la population congolaise. Moi comme ingénieur, de temps en temps, je passe vers Le Chantier pour acheter les interrupteurs, les fils, en tout cas ils ont des produits de bonne qualité et les services photovoltaïques. C'est pratiquement actuellement au monde, surtout nous qui sommes dans les pays en sous-développement, l'énergie solaire c'est un atout, c'est un outil qui va nous aider dans l'avenir d'avoir l'électricité en permanence. Alors sur ce, nous avons besoin des matériels, des kits qui va bien nous servir en plein et puis à longue durée. Alors, moi personnellement, je suis vraiment intéressé à l'énergie solaire. D'ailleurs, je suis architecte de formation. Déjà dans mes bâtiments, j'intègre
l'énergie solaire dans la composition, dans le fonctionnement du bâtiment. Bon, les chantiers, ce qui est vrai, j'entends parler, mais actuellement, je suis là sur place. J'ai vu les matériaux qui sont vraiment à la hauteur. Il y a des très bonnes marques et puis très bonne qualité aussi. Et je suis sûr que ça servira à tout le monde. Et les gens qui sont en ville ou les gens qui sont dans les provinces, ça sera utile pour nous. Actuellement ici chez nous, nous connaissons maintenant ce qu'on... Il y a des années qu'on n'a pas connu, c'est le délestage. Et avec l'énergie solaire, vous aurez l'éclairage 24 heures sur 24 heures. Oui, j'ai l'expérience. J'ai déjà acheté une batterie chez vous, un régulateur. C'est bien. Le chantier nous offre un peu les produits qui nous aident à bien fournir l'électricité, surtout l'électricité solaire. En ce qui concerne le problème qu'on a ici dans notre pays, c'est un problème de l'électricité. Alors, cette électricité solaire nous aidera à bien faire fonctionner nos appareils électroménagers. Donc, nous sommes venus, on a vu les produits que le chantier nous a proposés. On a vite compris que c'est une maison, c'est ce qui nous offre des produits de bonne qualité. Et que ces produits vont nous aider à bien pouvoir utiliser notre énergie à un prix abordable. On invite tout le monde à venir chez le chantier pour visiter leur gamme de produits. Ils ne seront pas dessus, là c'est sûr. Les chantiers, c'est pour la qualité et la garantie. Les chantiers, c'est pour la qualité et la garantie.